plus aucun accès pornographique pour les enfants. Pas de compétences en pornographie pour la classe des 6e. Interdiction de pornographie pour tous les enfants. Interdiction totale de tentation et d'harcèlement sexuel de nos enfants. Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus dans notre studio ici à Heilbronn. Ensemble, nous voulons nous poser la question suivante. Avons-nous déjà regardé en face la réalité du développement sexuel dans notre monde? Pas encore? Alors restez avec nous et écoutez tout d'abord les faits suivants. Une documentation de la télévision suisse, diffusée 4 fois, révélait le 15 décembre 2008 déjà que 50% de tous les garçons de 11 ans consomment du porno. Et à l'âge de 15 ans, c'est déjà 90%. Mais comment tous ces enfants ont-ils eu accès aux produits pornographiques? Les sex shops ne sont-ils pas complètement fermés aux enfants? Malheureusement, cela n'est plus du tout nécessaire aujourd'hui, car ces enfants consomment de la pornographie dure dans des institutions publiques non protégées et par conséquent des institutions illégales, avant tout sur l'écran de leur propre téléphone portable et sur Internet, devenu obligatoire à présent. Ainsi, les conditions constitutives de l'infraction sont remplies. Il s'agit indubitablement d'actions et d'institutions illégales et par conséquent délictuelles. Voici quelques rappels. Code pénal suisse, article 197. Pornographie. Premièrement, celui qui aura offert, montré, rendu accessible à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou des objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Deuxièmement, celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visées au chapitre 1er, ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni d'une amende. Selon l'article 197, paragraphe 2, n'est pas punissable celui qui montre des produits pornographiques et qui accueille les visiteurs de ses expositions ou ses présentations dans des salles fermées et leur annonce à l'avance et expressément le caractère pornographique de ses publications. Aujourd'hui, sans aucun doute, c'est surtout Internet et le téléphone portable avec écran qui représentent l'espace public. Et des études approfondies montrent que ce sont précisément les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs de la téléphonie mobile qui commettent la plupart des attentats à la pudeur contre des enfants. Car finalement, ils sont responsables de toutes ces publications. Est-ce que les enquêtes statistiques des années 2006-2007 qui ont révélé une infraction plus que grave ont vraiment pu passer inaperçues à la justice et à toutes les instances publiques et magistratures régulatrices? Il est étonnant que depuis ce temps-là, il ne circule plus de statistiques publiques actuelles sur cette importante problématique. Pourquoi tout ça? Il faut avant tout examiner toutes ces questions à la loupe, car ces chiffres doivent être d'autant plus accablants aujourd'hui en 2012. Pourquoi jusqu'à présent les ministères publics et les tribunaux responsables n'ont-ils pas pris de mesures adéquates? Les 10 causes suivantes ne suffisaient-elles pas? Et il existe encore des centaines d'autres raisons. Premièrement, déjà en 2006, la pornographie était recherchée sur Google 68 millions de fois par jour. Deuxièmement, déjà à cette époque-là, on a clairement identifié que c'était les enfants de 12 à 17 ans qui étaient les principaux consommateurs. Troisièmement, en 2007, 50% de tous les enfants ont atterri sans le vouloir sur un site pornographique. Quatrièmement, en moyenne, le premier contact avec la pornographie a lieu à l'âge de 11 ans. Cinquièmement, d'après l'édition 36 de 2006 du journal Facts, en 2006, 60% des jeunes de 11 à 14 ans regardaient régulièrement de la pornographie sur Internet. Combien plus en 2012? Sixièmement, déjà à cette époque, 80% des jeunes interviewés de 15 à 17 ans s'exposaient à la pornographie dure. Septièmement, 90% des jeunes de 8 à 16 ans regardent de la pornographie online pendant qu'ils font leurs devoirs. Huitièmement,
En 2006, il existait déjà environ 100 000 pages avec la pornographie pour enfants, avec un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de francs suisses. Neuvièmement, déjà à cette époque, chaque mois, environ 7 millions d'Allemands cliquaient sur des pages porno. Aujourd'hui, environ un tiers de tous les internautes en Allemagne surfent régulièrement sur des pages porno. Dixièmement, l'industrie du porno conquiert très rapidement toutes les nouvelles technologies, comme par exemple la TV sur portable ou TV HD, etc. Aujourd'hui, 2012, c'est un secret de polichinelle qu'au total sur Internet, on réalise plus de sites de sexe et de porno que de quelconque autre site. En réponse sur cet écart immodéré, un lobby existant constitue principalement d'associations de lesbiennes, d'homosexuels, pousse de façon déterminée à la sexualisation précoce obligatoire. Dès aujourd'hui, ces associations demandent sans scrupule la prétendue compétence pornographie pour les enfants. D'après Lucas Médard de Mena.ch et le pédagogue sexuel Bruno Vermouth, au plus tard à partir de la 6e. Ce lobby fait des efforts sur le plan mondial pour installer une éducation sexuelle obligatoire à l'école, à partir de 4 ans. Comme on ne peut pas éteindre le feu avec de l'essence, de même la conséquence correcte de ces délits graves ne doit pas dégénérer dans une sexualisation précoce des enfants, et certainement pas dans l'abolition du tabou de la pornographie, de la pédophilie, de la sophilie, du sadomasochisme, etc. en public. Voilà pourquoi le procureur général et les tribunaux sont dans l'obligation de prononcer immédiatement une parole d'autorité pour mettre fin à ces agissements indignes de l'homme et anarchiques au plus haut point. Pédagogie sexuelle à l'école, des principes de valeurs punissables. Sur la demande de la BAG Suisse, le Centre de compétences pour la pédagogie sexuelle à l'école a rassemblé par écrit des buts et du matériel d'information pratique qui sont punissables d'après l'article 187, paragraphe 128 du Code pénal. Pour preuve, en 2011, la Poste Suisse a refusé l'envoi du matériel d'information sexuelle de la BAG destiné aux enfants des écoles maternelles parce que le contenu était pornographique. Une surveillance continue entre la loi en vigueur et les influences sexuelles chez les enfants à l'école est obligatoire. Voici une comparaison. Agissement condamnable contre l'intégrité sexuelle. Intégrité signifie sain, parfait, intact, pur. Atteinte au développement des mineurs. Article 187, paragraphe 128. Premièrement, quiconque commet un attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 16 ans, l'incite à un tel délit ou l'entraîne dans des actes sexuels, sera puni d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison ou d'une amende. Chiffre 1. Sous actes sexuels, on peut comprendre toutes sortes de pratiques corporelles qui, du point de vue d'un observateur objectif, peuvent être considérées comme une excitation ou une satisfaction d'une envie sexuelle. Cet acte doit se référer spécifiquement au sexe, ou du moins à des zones érogènes du corps. Érogène signifie qui provoque les pulsions sexuelles. Paragraphe 2. La situation consiste en ce que quelqu'un engage l'enfant à des pratiques sexuelles avec une tierce personne dans le sens de l'article 1, ou sur son propre corps, comme par exemple entreprendre la masturbation. Une véritable incitation n'est pas nécessaire. Une de mes amies a vécu une expérience qui remonte à plus de 25 ans. Ils sont partis en vacances avec de la famille. Le soir, alors qu'ils étaient tous devant la télé, la femme, qui avait son bébé sur les genoux, une fillette de 4 mois, lui a enlevé ses couches et elle a stimulé ses parties génitales. Et cela dans une normalité si quotidienne que personne n'a osé dire quoi que ce soit. Elle a fait cela soir après soir, presque comme un rituel. Cette femme avait une formation d'infirmière et elle a appris ça durant son apprentissage. Je me demande où on en est aujourd'hui si cela a été enseigné il y a 25 ans. En comparaison à ces signes avant-coureurs des conseils officiels aux parents, un extrait du tableau d'un document fondamental de la pédagogie qui prévoit à l'avenir un enseignement sexuel obligatoire,
dans les écoles maternelles, vu que, suite à des théories internationales, des expériences prévoient des coins douillets, on peut présumer que des débordements, comme on vient de les relater, atteindront aussi les enfants. À l'âge de 4 ans, découverte des organes sexuels comme source de nouvelles sensations de plaisir. Un intérêt érotique pour les parents. Envie de se montrer et jeux génitaux. Manipulation consciente et répétitive des parties du corps, y compris les organes génitaux. 5 ans. Des jeux de rôle joués à papa-maman, jouer une famille avec deux pères et deux mères, jouer l'un des parents, être amoureux, avoir des rapports sexuels. Des jeux du docteur, explorer le corps de l'autre, satisfaire la curiosité naturelle. Ce document de 51 pages contient avant tout des parties extrêmement sexuelles. Il réduit la personne à un être sexuel et s'appuie sur des thèses extrêmement douteuses. C'est une bonne aubaine pour des professeurs ou des pédagogues pédophiles. Rien qu'en Allemagne, d'après une estimation, il y a actuellement 50 000 à 60 000 criminels pédophiles à l'action. Paragraphe 1. Il n'est pas nécessaire qu'on dénude les parties sexuelles. Si on fait de cette situation intenable un sujet de discussion, il y a des gens qui répliquent sans cesse qu'on a compris de travers et qu'on a mal interprété. Pour ce qui suit, il y a des faits qui ne laissent pas le moindre doute. L'édition 3 du magazine Zeit für Zukunft de février 2011 rapporte comment de nos jours l'éducation sexuelle à l'école maternelle est déjà pratiquée de façon concrète. Celui qui met le plus vite le préservatif sur une carotte deviendra le roi des carottes. L'organisation Pro Familia apprend à des écoliers à former des sexes avec de la pâte à modeler. Les rédacteurs du magazine pour les jeunes, Bravo, consolent des filles de 12 ans au cas où elles seraient encore vierges. En plus, ils les conseillent sur la façon d'y remédier, en les invitant à se masturber et encore beaucoup d'autres choses. Déjà, dans une édition de 2010, le magazine a joint des préservatifs pour enfants au magazine. La source suivante montre que la publicité sexuelle pour des enfants est de plus en plus inévitable et ciblée. HD+ ne permet pas d'effacer la publicité sexuelle des enregistrements PVR. On ne peut plus sauter un passage ou faire avancer le film. HD+ réduit la protection des mineurs. HD+ apporte la publicité sexuelle dans les chambres d'enfants. Article 219, paragraphe 136, violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Celui qui aura manqué à son devoir d'éduquer ou d'assister une personne mineure et qui aura mis en danger son développement psychique ou physique sera puni d'une peine de prison. Si on demande à la police ou la justice pourquoi ils ne protègent pas les enfants du déferlement de pornographie, on reçoit toujours la même réponse lapidaire. Et pourquoi la police ne fait rien? C'est que manifestement, personne ne peut dire exactement ce que veut dire pornographie. De plus, la loi est si mal définie qu'on ne peut rien entreprendre contre elle. Qui pourrait leur en tenir rigueur? Si l'affirmation devient toujours plus forte que ce n'est qu'un prétexte et qu'en fait et en réalité, on ne veut pas entreprendre quelque chose contre cela pour une raison ou pour une autre. Voici une proposition assez innovatrice et certainement courageuse en opposant à la sexualisation précoce. Oui, je trouve qu'il faudrait créer de nouvelles lois interdisant toute forme de pornographie, de publicité sexuelle et de photos de sexe. En fait, je ne suis pas pour changer continuellement les lois, mais par rapport aux opérateurs qui permettent la pornographie sur les téléphones portables, il serait sans doute nécessaire d'y mettre un terme par une loi, car il n'existe aucune protection. Que dites-vous en tant que mère, qu'on nous montre de plus en plus de publicité avec un contenu sexuel? Pour moi, la mesure est comble depuis longtemps. Nous sommes constamment et partout salis et bombardés par de la publicité à caractère sexuel, nous et nos enfants. À mon avis, pour ces choses-là, il faut l'interdiction totale. Nous avons d'urgence besoin de lois nouvelles qui interdisent l'inondation d'Internet, de la télévision et de publicité avec des contenus sexuels. Il faut faire un stop radical pour tout ce qui est pornographie. Tout ce que l'on rencontre comme publicité sexuelle, je trouve que c'est une attaque à toute forme de sentiment sexuel sain et naturel. En 1970, le taux de divorce était encore de 15%. Ce taux est monté à 50% depuis l'introduction de la pornographie via Internet et la téléphonie mobile.
Pas étonnant. Nous savons bien l'effet qu'ont les modèles sexuels et les stars de la porno sur les partenaires qui auparavant étaient fidèles. Ils émoussent ceux-ci et tout d'un coup, les choses ordinaires ne suffisent plus. On demande plus. Avons-nous des lois trop laxistes ? Que jusqu'ici, nos lois courantes n'avaient pas parlé un langage laxiste, mais un langage absolument net, c'est ce que montrent entre autres ces chiffres du Code pénal 1 et 2 de l'article 197. Chiffre 1. Des objets et des démonstrations sont désignés comme pornographiques s'ils sont appliqués de façon objective pour provoquer l'excitation sexuelle chez le consommateur. Cela implique du moins qu'ils mettent en avant de façon abusive une importance excessive de l'appareil génital humain ou d'effets sexuels sur les régions génitales. Nous arrivons aux actions des états de fait. Un objet ou une présentation est rendu accessible si on permet aux personnes de moins de 16 ans de les consulter par leur propre initiative. En tant que telle, la diffusion par radio et par télévision est punissable parce que ces émissions peuvent être regardées facilement aussi par les enfants. À combien plus forte raison cela doit être appliqué pour la téléphonie mobile et pour Internet ? Une décision de la Cour fédérale, 121 volumes, 4 pages, 119, met dans la même catégorie les enregistrements audio qui peuvent être écoutés par des personnes de moins de 16 ans. Le responsable de la mise en place du PTT Télékiosque a donc été reconnu coupable de complicité pornographique. Chiffre 2. À part la protection de la jeunesse, cette réglementation sert aussi à empêcher que des adultes soient obligés de regarder des objets ou des présentations pornographiques contre leur volonté. Afficher des illustrations à caractère sexuel à des fins publicitaires est déjà considéré comme exposition publique. Comparez message page 1090. Publication pénale. Article 197, paragraphe 2 du Code pénal. Celui qui fait des affichages publics, qui montre des objets ou qui fait des présentations publiques selon le chiffre 1 et les propose à quelqu'un de manière non sollicitée sera puni d'une amende. La cupidité est punissable. Article 197, paragraphe 4 du Code pénal. Si l'auteur agit par cupidité, la punition sera la prison ou une amende. Depuis des années, l'industrie pornographique gagne plus d'argent sur Internet que les entreprises de bonne réputation comme Google, Microsoft, Yahoo, eBay, Amazon et Apple réunies. 70% des affaires sur Internet en Europe et aux USA sont faites de pornographie en ligne. 2006, les chiffres d'affaires de la pornographie ont gonflé jusqu'à 97 milliards de dollars. En ce qui concerne cet article, il faut également enquêter sur les organes de l'État qui profitent ostensiblement de cette cupidité en prélevant des impôts, car il est connu que cela peut être très contagieux. En 2006 déjà, l'industrie pornographique par web gagnait 2304 euros par seconde. Pendant que vous avez lu cette phrase encadrée, 28 258 personnes étaient à la recherche d'une page érotique sur Internet. D'après un site Internet, presque 43% des utilisateurs Internet, dont d'innombrables mineurs en dessous de 10 ans, ont surfé dans ce court laps de temps sur une page érotique sur le web. Et bien entendu, nous parlons toujours de l'année 2006. À cette époque, aux États-Unis, toutes les 39 secondes, un nouveau porno était rajouté. Combien plus cela doit-il être le cas aujourd'hui ? En 2006 déjà, 15 000 films pornographiques de 30 minutes environ arrivaient tous les ans sur le marché. Rien que pour la pornographie pour enfants, il existait environ 100 000 pages, avec un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de francs suisses par an. En 2006 déjà, chaque jour, 266 nouvelles pages pornographiques étaient mises sur le net. Le fils de Beate Hous était déjà à cette époque parmi les 300 plus riches en Suisse. Déjà en 2007, la plupart de l'argent a été fait dans les affaires d'Internet avec les Chinois qui dépensaient 20,5 milliards d'euros pour cela.
À cette époque, la Corée du Sud était en tête au niveau mondial avec 394 € par personne. Combien d'euros par personne cela représente-t-il aujourd'hui? L'absence d'intervention des autorités inquiète de plus en plus les observateurs. On soupçonne que la raison de leur attitude réservée est leur participation au bénéfice des affaires les plus sales. De telles appréhensions ne doivent pas du tout être exclues. Sur des recettes aussi énormes, on peut effectivement prélever des impôts très intéressants. Ce serait une stratégie à très court terme et autodestructrice. Car un gouvernement qui approuve ces transactions ou qui les envisage s'appuie lui-même sur la ruine de son propre peuple. Par exemple, les affaires avec la maladie, l'avortement, l'alcool, les drogues, etc. creuseraient leur propre tombe. Conformément à la ruine de la société, des pertes considérables se feront sentir de plus en plus à tous les niveaux. Malheureusement, de tels commencements ne peuvent plus être niés depuis longtemps. En 2006, par exemple, rien que les employés des services publics de la République fédérale allemande ont causé un dommage économique prouvé d'environ 208 millions d'euros parce qu'ils se sont occupés de sites porno et de chats érotiques sur leur lieu de travail. Si on ne veut pas complètement nier l'autorité de la loi, les gens qui, de façon de plus en plus audacieuse, abolissent publiquement le tabou des pratiques sexuelles effrénées et débauchées, ont dépassé depuis longtemps la limite de l'infraction. Du moins à la lumière du droit qui est encore valable. Alors la télévision et la presse écrite banalisent de plus en plus le contact sexuel avec les animaux et d'autres choses encore. Le quotidien de la Carency de 19 juillet 2012 annonce avec un flegme naturel et serein que pendant les Jeux Olympiques 2012, le village olympique devrait se transformer en un lieu de fête avec des orgies sexuelles sauvages. Que 75% des participants n'ont rien à faire que de l'abstinence olympique et par conséquent 150 000 préservatifs sont préparés pour les sportifs. Ce serait alors 80 000 de plus qu'à Sydney en 2000. Il n'est bien sûr pas question ici de toutes les expertises psychiatriques ou des cures d'âme qui attestent les graves maladies psychiques dues aux contraintes incessantes au désir. Même le fait que pour la plupart des personnes le sexe soit devenu depuis longtemps un harcèlement permanent, un fléau qui viole, une camisole de force intérieure atroce qui torture, ce n'est pas intéressant ici. Les appels à la fidélité ou le fait d'être satisfait de son partenaire sont considérés ici comme une chose infâme. Mais les mécanismes et les fruits des manies sexuelles surexcitées sont toujours les mêmes. Qu'importe le genre de dépendance déclenchée, en fin de compte, elle conduit toujours à une crise sans issue. Un enfant essaie d'abord avec une cigarette, bientôt c'est déjà deux, trois. Peu après, il aura besoin d'un à trois paquets par jour. Parce que chaque dépendance submerge en peu de temps son organe de désir, beaucoup plus tard viennent inévitablement d'autres dépendances. Chez la plupart des fumeurs, il s'ensuit donc l'alcool. D'abord seulement un verre, ensuite deux, trois verres, bientôt une bouteille, ensuite deux ou plusieurs bouteilles par jour. De la bière, on passe soudain au vin, ensuite à un alcool plus fort. Bientôt, cela ne suffira pas et on passe à la drogue. D'abord, la plus légère comme la marijuana. Ensuite, les premiers trips de LSD, l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy et toutes sortes de médicaments psychotropes, etc. Parce que l'homme en devient malade, il a de nouveau recours aux médicaments. D'abord seulement un comprimé, bientôt un deuxième, un troisième. Bientôt, cela passe à trois différentes sortes de médicaments. Et de là, rapidement à 10 jusqu'à même plus de 20 différentes sortes de médicaments. C'est la même chose avec le sexe. Tout commence par un premier regard. Bientôt viennent toutes les revues et les films avec du sexe. Ceci attire vers les premières revues et les premiers films porno. Ensuite, cela devient 10, 100, des milliers. Ensuite, des dizaines des milliers. Aujourd'hui, des milliers de films sexuels et porno influencent déjà la population mondiale. On laisse derrière soi un peuple asservi, détruit et dominé par la dépendance. En bref, ce qui reste, c'est un tas de malheureuses épaves humaines. Et l'État pense-t-il peut-être pouvoir gagner quelque chose, même à long terme, avec de telles machinations destructrices comme le commerce avec la maladie ou avec les convoitises et les dépendances de ses citoyens?
Laisse-t-il l'addiction sexuelle et toutes sortes de choses survenir sans aucune réticence à cause de son propre gain? Comment cela serait-il vu à court terme? Mais le tabou que le journal de Saint-Gall Tagblatt du 26 juillet 2012 a brisé va encore bien plus loin que ce qu'on vient d'entendre. Cet article choc réveille de leur tombe, bien sûr de manière non intentionnelle, des anciens doutes jusqu'alors étouffés par les sexologues. Sous la grande manchette « Le prince charmant avec un fouet », on porte en effet au nu comme étant un best-seller le roman sadomasochiste en trois parties « Shades of Grey ». Il s'achète mieux que jadis « Harry Potter ». Il retire la littérature pornographique des ordures et annule un autre tabou de notre société. Presque simultanément, la télévision suisse a été accusée par beaucoup de téléspectateurs d'une glorification pénale du sadomasochisme. Il était plutôt difficile à la télévision suisse de prouver le contraire. Cependant, il est plus qu'indéniable qu'en juillet 2012, la télévision suisse a interviewé un commerce sadomasochiste, de Rorschach à Saint-Gall, dans l'esprit d'une minimisation sans précédent. Qui pourrait en vouloir aux spectateurs qui posent de plus en plus fort la question « D'où sortait-il tout cela tout d'un coup ?» Certainement pas une question illégitime de beaucoup de personnes ignorantes. Car tout cela a lieu complètement sans égard à la définition que donne le dictionnaire du mot sadomasochisme. Sadomasochisme. Premièrement, excitation sexuelle, désir pendant l'exécution et l'endurance des tortures. Sadomasochiste, torture corporelle et mentale provoquée à soi et à d'autres personnes. Dans ce documentaire de la télévision suisse, cela ne posait aucun problème que de par le monde plusieurs milliers de victimes de l'exagération sexuelle et de plus en plus par le sadomasochisme, que ces victimes soient vidées, malades mentales et torturées. De plus en plus d'expertises médicales, psychiatriques ou de cure d'âme et aussi criminologiques confirment les conséquences affreuses et destructrices que le dérapage sexuel exerce sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps. Ceci n'est pas du tout étonnant, car l'ardent désir de l'extase sexuelle est excessivement initié par la tête, alors que le corps ne pourra jamais suffisamment éteindre cette flamme de désir, même pas approximativement. Les sexologues signalent de façon pressante que les manchettes mentionnées ne montrent que le sommet de l'iceberg d'un développement mis au point à l'échelle mondiale et qui devient de plus en plus agressif. Qui voudrait les contredire et avec quel argument? Cela devrait en effet devenir assez exigeant. Entre-temps, c'est un fait que rien qu'en Allemagne, il y a en moyenne chaque heure un viol et deux abus sexuels sur les enfants, et cela sans le nombre des cas non recensés. Ainsi, la thèse probablement la plus considérable qui a donné naissance à cette documentation, c'est « Pendant qu'elle inflige les douleurs à d'autres personnes ou qu'elle désire se torturer elle-même, les personnes dépravées sexuellement développent malheureusement encore d'autres convoitises qu'exclusivement des désirs sexuels. » Si jamais cette thèse se concrétisait, cela pourrait devenir bientôt très dangereux. Du moins, le rapport de choc du 12 décembre 2002, rendu extrêmement succinct à son époque, justifie irrévocablement la manière dont le sexe exagéré conduit toujours à des convoitises incontrôlables, toujours à des contraintes contre nature qui conduisent au mal insoupçonné sans lien. Un homme tué et mangé. Cassel. La police a arrêté un homme de 41 ans à Essen pour cannibalisme. Au début de l'année 2000, il a tué, coupé en morceaux et mangé en partie un homme de 42 ans avec son consentement devant la caméra vidéo en marche. C'est ce que les juristes de l'État ont communiqué hier. L'acte de ces deux hommes repose sur une tendance cannibale et homosexuelle. La torture des enfants est-elle déjà devenue normale? Un Belge publie une annonce « Je cherche une fille entre 2 et 12 ans pour torturer, éventuellement jusqu'à la mort ». Un reporter découvre l'annonce, s'offre comme intermédiaire et rencontre le monsieur. Il lui montre des photos dans lesquelles il abuse de ses propres enfants et promet de l'argent pour l'obtention de la commission d'une nouvelle victime. Lors d'une rencontre suivante, l'homme apporte ses instruments de torture, les charge dans la voiture du commissionnaire qui l'emmène au commissariat de police.
Mais ce qui est réellement honteux, c'est qu'on entend à peine parler de cet incident. Juste une note au bord d'un journal local, une telle chose est donc déjà si normale qu'elle ne mérite pas un gros titre. Sommes-nous déjà si émoussés ou y a-t-il une autre raison? À ce sujet, beaucoup de témoignages ou des résultats de recherche connus sont de façon conséquente et consciemment ignorés. Depuis longtemps, les chercheurs mettent en garde contre le fait que chaque forme de dépendance impose toujours d'autres sortes et d'autres dosages pour satisfaire les désirs. Le sadomasochisme n'est-il donc pas à nouveau le dernier tabou? Plutôt non. Car ce dernier tabou, éternellement juré, on voulait le voir se briser depuis des années, déjà lors de la suppression des piscines publiques séparées. Par contre, les critiques des plus récents briseurs de tabous apportent à la lumière de choses incroyables, épouvantables et choquantes. Le sadomasochisme ne se présente donc pas comme un coupable isolé, mais plutôt comme faisant partie d'un groupe de sadomasochistes qui se forme à l'échelle mondiale, et en étant en étroite relation avec la zoophilie et main dans la main avec la pédophilie la plus mauvaise. Cela veut dire la relation sexuelle illimitée avec les animaux, sodomie et avec les enfants, ce que les gens ordonnent refusent aussi de croire pour le moment, avec des tortures inconcevables. Les interviews ci-après ne sont absolument appropriées qu'aux adultes. Pour sauter ce passage, appuyez sur le bouton chapitre. Il parle comme représentant de centaines de milliers d'enfants à qui il arrive le même sort cruel dans le monde. Partout où de tels cas viennent à la lumière, les victimes témoignent de façon concordante, mais aussi de manière absolument convaincante. Cependant, ils ne sont pas pris au sérieux à cause du caractère invraisemblable de leurs témoignages. On peut déduire des interviews d'autres raisons pour lesquelles ces enfants sont tout simplement aussi abandonnés par les grandes instances. Vous pouvez les trouver grâce aux données qui suivent. Mais serrez bien votre ceinture. C'est très dur à digérer. En Allemagne, il y a plusieurs rapports d'enfants abusés sexuellement liés à des rituels. Entre-temps, cela a pris des dimensions relativement importantes. En ce moment, nous sommes consultés par environ 300 enfants concernés à travers différents districts et dans différentes dimensions. D'une part, cela peut être chez 3 enfants. Cela peut aussi aller jusqu'à 60 enfants. Une action adéquate par rapport à ce problème a rarement lieu. Je peux seulement vous dire que nous sommes ici plusieurs conseillers qui ont affaire quotidiennement avec le satanisme. Et tous ces satanistes rapportent ces choses. Ce sont pour la plupart des personnes très jeunes. Et on a dit que l'abus sexuel, c'est ce qu'il y a de... Je voudrais dire, c'est ce qu'il y a de plus inoffensif. C'est le plus inoffensif. Absolument, je dois dire que certaines personnes là-bas nous ont réservés que pour nous frapper. Ils nous ont vraiment liés et nous ont cognés pendant une heure, commençant par fouetter la plante des pieds jusqu'à frapper sur le gland. C'était pour eux l'excitation sexuelle. Et même si ça sonne con, même là, je dirais, Dieu merci, ils nous ont seulement frappés. Nous disons « augmentation » quand nous avons pensé qu'il n'y a plus d'augmentation possible dans la perversion qu'il nous inflige. Il y a eu quand même encore une augmentation. Maintenant, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas non plus ce que je peux imposer aux auditeurs. Oui, donc, il y a des trucs que tu m'as raconté qui me préoccupent moi-même des journées entières. Et certaines choses sont tellement cruelles qu'on pourrait presque perdre la foi en l'homme. Je l'ai déjà perdu depuis longtemps. La foi de la manière dont je l'ai expérimenté là-bas, ne disons pas la foi en l'homme, mais plutôt la foi au leadership, dirais-je. Les formes de violence sont violence corporelle, violence sexuelle, violence psychique, menaces, extorsion, loi du silence, abattage des animaux, meurtre des humains dans le cadre des rituels, meurtre de nourrissons, d'enfants, de femmes. Parfois, c'est une personne qui est tuée. Parfois, ce sont plusieurs personnes. Une femme vêtue d'un peignoir noir marche vers l'avant en tenant un petit bébé dans ses bras. Je ne savais pas que le bébé était vivant. Elle le coucha tout simplement sur l'autel. Il respirait, mais ne pleurait pas. Le grand prêtre prit le couteau de sacrifice et fendit la gorge au bébé.
Il prit le sang dans une coupe. À ce moment, j'ai commencé à tituber et à chanceler, et je croyais que j'allais vomir. Ces atrocités sont-elles l'expression d'une imagination morbide, ou est-ce que des personnes sont effectivement sacrifiées, les enfants abattus? Les êtres humains sont-ils vraiment capables d'une telle chose? Oui, ils en sont capables. Mais ce n'est pas toujours de la manière dont ils se l'imaginent. Ils sont traînés sur un autel, éventrés ou blessés. Parfois, lorsque l'un d'entre eux devient furieux, les victimes sont simplement tuées par balle dans la tête, poignardées ou empoisonnées. Il existe des groupes sataniques dans lesquels les mères sont invitées à offrir leurs propres enfants à Satan. Il peut arriver qu'elles deviennent enceintes seulement pour ce rituel. Steve se pique une aiguille dans la jambe pour bloquer la douleur corporelle qui reste dans sa mémoire. Alors quelqu'un me tend un poignard en disant « Achève-le ». J'ai refusé, et puis c'était moi qui avais le couteau à la gorge. Je savais que si je ne le faisais pas, ce serait mon tour. Alors j'ai enfoncé le couteau dans la gorge, mais il n'était pas satisfait. J'ai dû continuer. Après que je l'ai fait, ils m'ont obligé à aspirer le sang des coupures et des blessures. Tous les secours de chaque thérapie commencent par écouter les victimes et les coupables. Mais que fait l'État anglais contre ces atrocités? Le satanisme existe dans notre pays, comme partout ailleurs. C'est répugnant et méchant. Il est question de meurtre, mais aussi d'abus sexuels sur enfants. Ce ne sont plus des blagues. Il faut combattre cela. Une des histoires tragiques que j'ai entendues était celle d'un enfant qui parlait de son vécu. Les adultes lui disaient seulement de ne pas être stupide. De telles choses ne doivent pas exister dans ce pays. Les interviews de ma collègue Laurence Béneux avec Déborah, qui a 15 ans aujourd'hui, ont duré des heures. Dans ce film, on devra se limiter aux déclarations les plus importantes. Nous avons pensé que c'était de notre faute. Pourquoi? Nous avons pensé que nous avions fait quelque chose de mal. Vous avez pensé que c'était une punition? Oui. Il y avait cette table et des bougies étaient disposées tout autour. Est-ce qu'il y avait des gens? Mes violeurs. Peux-tu dire ce qui s'est passé sans entrer dans les détails? Ils ont scié l'enfant. Ils ont scié un enfant? Ils ont détaché des parties de son corps. Avec quoi? Avec un couteau électrique. Est-ce qu'ils ont scié l'enfant vivant? Après, ils l'ont tué? Non. Ils l'ont laissé souffrir. Mais l'enfant est mort quand même? Oui. Déborah se sentait impuissante quand elle voyait tous ces assassinats d'enfants. Mais maintenant qu'elle peut parler, elle espère aussi aider tous les enfants qui subissent encore ces choses-là. Ils ont coupé un doigt? Un pied, des choses comme ça. Ils ont coupé un pied et l'ont laissé mourir. Et pendant ce temps, ils ont abusé de lui. Ça veut dire qu'il a abusé de l'enfant et les autres ont regardé? L'abus des petits-enfants est une triste normalité. Le chiffre d'affaires mondial des violeurs d'enfants est de 300 milliards d'euros. Environ 1 milliard en Allemagne. Ce que disent Déborah et Robert en décrivant des assassinats d'enfants, dans le cas de Déborah devant une caméra, ce n'est rien d'autre que ce qu'on définit communément des snuff vidéos.
Un snuff vidéo est un film dans lequel un enfant est assassiné après qu'il ait été torturé ou abusé sexuellement, jusqu'à ce qu'il meure. Mais ce qu'on doit savoir, et ce qui est très important, ces films sont l'impulsion d'un marché qui existe en parallèle et qui fonctionne évidemment grâce à un grand public. Les hommes qui peuvent, entre guillemets, s'acheter un tel programme sont des gens très riches. Il nous reste à les identifier. Pour voir un enfant mourir, ces gens payent 25 000 à 1 million d'euros. Je parle pour tous les enfants qui doivent encore subir cela, afin que cela cesse. On doit le savoir pour que cela s'arrête. Que crois-tu que ces enfants endurent ? L'enfer. C'est quoi l'enfer pour toi ? Quelque chose qu'on ne vit nulle part ailleurs, le pire que vous pouvez expérimenter dans votre vie. Moi, si je parle maintenant, c'est bien sûr pour faire ce film. Pour témoigner, mais avant tout pour que l'on entende encore et encore et toujours encore. Pour que les gens sachent que c'est vrai, que chaque jour des enfants sont violés et tués. C'est la réalité. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Je dois enfin en témoigner, même si ce n'est pas quelque chose de beau. Mais je dois le faire pour que les enfants n'aient plus jamais à supporter cela, pour qu'il y ait moins de viols, moins d'assassinats, pour que les gens se réveillent, saisissent la réalité, pour qu'on ne dise plus « l'enfant a menti », « l'enfant fantasme seulement ». Non, l'enfant dit la vérité. Et cela, on doit surtout vouloir l'entendre. Les prêtres étaient debout autour d'une table. Ils étaient habillés avec des longues robes rouges foncées, presque noires. Ils faisaient le tour de la table et chantaient. Le tout a duré assez longtemps. Il y avait quelque chose d'emballé dans un linge qui avait la même couleur que les robes. On l'a mis sur la table. C'était un enfant. Mon grand-père l'a porté dans ses bras. Mon frère, Pierre, était à côté de lui. Après environ trois quarts d'heure à une heure, je ne sais plus exactement combien de temps, ils sont sortis. Les cérémonies étaient toujours plus ou moins les mêmes. Ensuite, un repas a été servi sur la terrasse. Là, il y avait deux grands plats pleins de viande. Aujourd'hui, je sais, c'était de la chair humaine. Mon histoire est la preuve qu'il existe réellement un réseau de pédophiles, que les pédophiles ont organisé un réseau pour pouvoir tuer des enfants, pour produire des cassettes, pour violer des enfants. Ils ne sont pas de quelconques amateurs qui font des films vidéo, ou quelques fous qui kidnappent et tuent des enfants pour satisfaire leurs besoins sexuels personnels. Non, c'est un réseau dirigé professionnellement. Je ne demande pas ce que tout le monde me croit. Chacun peut croire ce qu'il veut. Je sais que je dis la vérité. Je n'ai pas besoin d'avoir la certitude que tout le monde me croit pour savoir que je dis la vérité. Non, je connais le poids de mes déclarations. C'est la vérité. Si les gens me croient ou non, c'est leur problème. Je sais seulement que cela concerne beaucoup de gens. Chaque enfant peut être kidnappé et violé. Ça arrive chaque jour. Beaucoup ne me croient peut-être pas parce que c'est trop invraisemblable, parce que c'est trop... Je ne sais pas. Ils peuvent le prendre comme ils veulent. Le rituel et le sens. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas compris. Je sais que pour eux, il est d'une haute importance.
Ils faisaient les choses les plus anormales. Je sais partiellement, ils ont même déterré un enfant qui venait d'être enterré. Et ensuite, nous devions nous coucher à côté de lui, dans le cercueil par exemple. Oui. Où nous avons véritablement dû abuser d'un mort. C'était encore plus innocent. On n'en parle pas. Les médias disent, ça c'est un sujet tabou. On peut donc s'imaginer qu'il y a eu ce grand tremblement de terre à Haïti et qu'il y a là des enfants dont les parents ne sont plus là. Et est-ce possible qu'il y aurait là des gens, des personnes qui viennent chercher les enfants pour les vendre ensuite? Il existe trois, disant qu'en fait, véritablement, il existe sur Terre quatre cartels milliardaires. Le premier cartel milliardaire est définitivement le pétrole. Le deuxième cartel milliardaire est l'industrie pharmaceutique. Le troisième cartel milliardaire, je dirais, est lié à l'industrie pharmaceutique. Mais c'est le travail de recherche sur le cancer et le sida. S'il vous plaît, mettre entre guillemets. Et le quatrième cartel, la raison pour laquelle tout cela fonctionne, c'est l'extorsion. Et malheureusement, le commerce d'organes, d'enfants et d'esclaves. Quelle forme de violence avez-vous subie durant votre enfance et votre jeunesse? Tout ce que tu peux imaginer, je pense. Vraiment physique et psychique? Tout. Chaque forme de violence que tu peux t'imaginer est utilisée et a été utilisée envers nous. Est-ce que vous deviez faire cela aussi à d'autres êtres vivants? Je le dis prudemment. Oui, nous avons dû le faire. Et si on ne le faisait pas, ça voulait dire qu'on serait puni ou peut-être on devait alors endurer encore plus de violence? On était toujours puni, car de toute façon, on ne pouvait pas le faire correctement. Faire de nous l'auteur du crime, c'était très important pour eux, et ça commençait très tôt. Hélas, j'ai enduré des rituels semblables dans le château fort de la ville, où j'ai reconnu des personnes de haut rang, et qui vraiment assistaient, qui étaient là, et ils ont, comment dire cela? Ils voulaient que des enfants tuent des enfants. C'était ça qui était important pour eux. Ils ont bu le sang des enfants. Ils se sont carrément délectés de leurs cris. C'était le rituel pour eux. La cérémonie la plus satanique, c'est la messe noire. Ce rituel sert à la vénération de Satan. Satan veut des victimes, Satan veut toujours plus de victimes, de sang, et le mieux pour lui, c'est un enfant nouveau-né. Tous les satanistes ont été abusés étant enfants. Tous. Je ne peux pas m'imaginer qu'un être humain normal puisse être capable de faire quelque chose d'aussi horrible, dégoûtant, répugnant, d'une brutalité aussi dégradante qu'il soit même capable de telle chose. De plus en plus de films et de jeux glorifiant le déferlement de la violence témoignent qu'au rassasiement sexuel succédera la violence cruelle. Justement, le massacre de Batman du mois de juillet 2012 à Denver révèle encore une fois clairement l'existence réelle du désir de torturer à tout moment. Par évidence, c'était l'imitation de l'obsession, de la violence que ce film a exprimé. Le meurtrier portait exactement le même masque que le méchant dans le film. Il a tiré sans aucun scrupule, blessant plus de 70 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Et combien de folies engendrant des incartades d'envie ou des films d'horreur inspirés par des pulsions meurtrières ont déjà précédé la folie meurtrière depuis Littleton jusqu'à Itoya. Littleton, USA, le 20 avril 1999, deux élèves tirent sur 13 de leurs camarades de classe avec des fusils et des carabines de chasse. Tours, le 27 septembre 2001, munis d'armes diverses, un Suisse se précipite dans une séance de l'Assemblée gouvernementale et tire sur 14 politiciens. Erfurt, Allemagne, le 26 avril 2002, un étudiant renvoyé tire sur 12 professeurs, une secrétaire, deux élèves et un policier. Blacksburg, USA, le 16 avril 2007. De bon matin, un étudiant fonce à l'Université technique de Virginia. 32 personnes meurent et 29 autres sont blessées. Wien, Allemagne,
Le 11 mars 2009, au collège d'Albertville, un garçon de 17 ans tue 15 personnes, prend la fuite et en blesse encore 11 autres dans sa fuite. Utøya, Norvège, le 22 juillet 2011. Maître franc-maçonnique Anders Breivik frappe deux fois le même jour. Tout d'abord, il fait exploser une bombe dans le quartier du gouvernement d'Oslo. Ensuite, il assassine 77 enfants appartenant à un mouvement de jeunesse antisioniste. À peine une année après l'événement d'Utøya, les gauchoteurs, c'est-à-dire le jeu meurtrier Crisis 2, a été primé comme meilleur jeu d'ordinateur allemand. On est loin de croire que l'on puisse enfin empêcher les jeunes de 5, 15 ou 25 ans de passer des nuits entières devant des ordinateurs ou des consoles de jeux. Au contraire, on les entraîne à tuer systématiquement et excessivement avec des armes comme des mitrailleuses et des scies à chaîne. Avec de tels jeux vidéo, on inculque aux enfants de considérer comme un divertissement la mise à mort et la souffrance d'autrui. N'est-ce pas justement là un lavage de cerveau dangereux pour conditionner les joueurs à ne pas éprouver du dégoût pendant la mise à mort, mais de la satisfaction ou voire même de la joie? Et précisément, celui qu'on appelle mandataire et président-directeur de la production de la jeunesse, Martin Lobert, parle par rapport à ce jeu d'une valeur pédagogique considérable. Quand la justice se lèvera-t-elle enfin pour enquêter sur toutes les folies meurtrières par rapport à toutes ces causes et liens nommés ici? Jusqu'ici, du moins, personne n'a l'air de bien vouloir s'y intéresser. Et ceci, bien que le directeur de l'Institut criminel de recherche de la Basse-Saxe, Christian Pfeiffer, ait mis en garde, bien des années auparavant, en parlant de jeux bien moins violents qu'à présent, une société qui autorise tel jeu est malade. Mais est-ce bien la société qui avait permis une telle évolution? N'était-ce pas plutôt leurs représentants choisis par eux dans la politique, la justice, la religion et beaucoup plus encore? Est-il possible que la passivité de nos représentants indifférents évoque à nouveau un temps où la société s'apprête réellement à reprendre elle-même les rênes en main? La pression d'arrêter au plus vite les abus débordants est déjà indéniablement dans l'air. Toutes ces choses arrivent-elles de manière involontaire ou en fin de compte, tout avait-il été préparé par les puissances d'arrière-plan? Et qu'en est-il donc si, à cause de la dégénérescence sexuelle, les puissances démoniaques, le cannibalisme et la bestialité se développent pour devenir notre destin? Jusqu'à quel point cette rage de torture à venir, prévisible et inévitable, nous conduit-elle vers notre perdition? Et pour ceux qui, jusqu'ici, n'ont pas cru en l'enfer, ne serait-il pas pour nous tous? Il existe en fait déjà d'innombrables films d'horreur montrant des scènes à répétition de zombies cambriolants sans gêne ou de monstres meurtriers de toutes sortes. Leurs actions principales tournent uniquement autour de tuer ou être tué. Remarquez une fois la forte tendance grandissante en matière de films de traiter de plus en plus de brutalité et des rages de torturer. Étant donné que la plupart des anciens films, avec leurs prévisions d'avenir insupportables et sombres, sont cependant en train de se réaliser de façon mystérieuse, la question se pose d'autant plus. N'est-ce pas un devoir capital d'étouffer dans l'œuf, maintenant et aujourd'hui, tous ces excès de violence et de scénarios d'horreur prêts à venir? Depuis longtemps, des hommes sérieux attirent l'attention sur le fait que la racine principale de la progression de la violence et des excès de torture se trouve dans le déchaînement sexuel, mais aussi en général dans les sentiments passionnés. Manifestement, les lois naturelles destructives et non de simples théories de conspiration se font remarquer. Il faut que les ministères publics et la justice fassent leur devoir et prennent des mesures préventives. Les représentants du peuple, qui n'empêchent pas cette évolution de débordement sexuel effréné, avec ses abus destructifs, devraient être jugés responsables de complicité en cas de réalisation de ces aberrations. Les mouvements d'information demandent cela de plus en plus. Celui qui ne fait pas front maintenant et aujourd'hui à cette conspiration évidente, favorise l'arrivée d'une catastrophe sociale d'une dimension insoupçonnée, dans un bref délai, dit Ivo Sasek, fondateur et responsable du mouvement anti-génocide et de la coalition anti-censure AZK.
Lorsque tu marches dans la rue, tu penses qu'ici, ailleurs, le monde va bien et tu commences à parler avec les gens, oui? Combien de personnes se trouvent dans les histoires dans lesquelles ils ne pensaient jamais tomber? Des enfants qui apprennent que leurs pères sont impliqués dans des cochonneries en cherchant des femmes sur Internet pour s'en délecter et se prostituer. Ensuite, ils rentrent chez eux et cherchent à s'envoyer en l'air comme ils l'ont vu à l'écran. Tu me crois? Oui. Sa femme avec laquelle il a eu 3 enfants dont le corps a un peu changé doit en faire les frais. Cela conduit à la destruction de toute structure familiale. Cela conduit à la destruction de toute relation. Ils proclament l'infidélité. Ils disent « Je ne peux pas te promettre que je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Mais maintenant, ayons du bon temps ensemble, oui. Ensuite, on va de l'un à l'autre. Et soudain, tu n'es plus un être normal si tu veux rester fidèle à une personne. Voilà le seuil dépassé. » Chaque gouvernement ou instance judiciaire qui n'est pas prêt à faire cesser les développements méchants maintenant et aujourd'hui laisse libre champ à tous ces despotes-là qui sont motivés par l'obsession de posséder, l'obsession de pouvoir et l'obsession de tourmenter et aspirent secrètement à un nouvel ordre mondial. Les perversions qui viennent ne seront accompagnées que de meurtres, que de choses pires, oui, où le sexe dégénère en brutalité. En passant par le sadomasochisme, il mènera à des harcèlements. Oui, l'envie de dépecer des corps vivants, de torturer, de dévorer, de faire quelque chose de fou qui fait frissonner même le diable. On peut à peine entendre ça. Cela ne restera pas seulement de la pornographie. Ça ne stoppera pas non plus par rapport au mécontentement du partenaire. Des impudicités répétées évoluent réellement tôt ou tard en torture malveillante. Il est inévitable que des despotes naissants soient tout simplement assoiffés d'entendre l'humanité gémir et crier à cause des tortures. La possibilité de soupeser de telles cruautés rien que par des pensées frise la folie. Pourtant, de toute évidence, de plus en plus de gens et de mouvements se développent dans cette direction redoutée et nous ne pouvons pas nous dérober de façon méprisante aux thèses présentées ici. Dans le monde entier, la présence de centaines de milliers de sectes de magie noire, d'ordres et de sectes sataniques est attestée. Des sacrifices d'enfants et d'hommes doivent faire partie de leur cérémonie fondamentale. Est-ce que ça pourrait expliquer la disparition de centaines de milliers d'enfants tous les ans? Je n'ai presque jamais été à l'école. Par contre, à cette époque, nous étions vendus à n'importe quel client. Et quelle était notre situation? Je ne savais pas, à ce moment-là, bien sûr, en tant qu'enfant, mais seulement beaucoup plus tard. Il y avait toujours des gens qui nous conduisaient dans des véhicules de grande dimension. Et maintenant, je dois également dire ceci. Nous avons surtout été placés dans un camion qui était complètement assombri. De temps en temps, nous étions aussi, excusez-moi, enveloppés dans des tapis et amenés dans certains hôtels. Maintenant, nous en venons à la structure du sujet. De laquelle tu m'as questionné tout à l'heure. Nous avons constaté qu'il y avait, par après, une fois que j'étais libre, et ainsi de suite, et que j'ai regardé la télévision, par exemple, ceux qui avaient grandi chez les Hells. C'est celui-là qui a abusé de moi. Il est diplomate. Et celui-là, politicien. Et celui-ci, si. Et celui-là, là. Dans tous les domaines, y compris les églises? Dans tous les domaines, oui. Les affiches électorales ont été pour moi une horreur. Lors de n'importe quelle élection en Allemagne, j'ai vu des photos. Alors, pour la première fois, j'ai connu les noms. Si une personne est prête à faire une déclaration, on sait par expérience qu'on l'approche avec un grand étonnement, mais peu d'ouverture pour croire en ces choses. On a déjà son opinion. Tout cela ne peut pas être exact quand un jeune homme témoigne qu'il a été témoin de meurtres multiples. Et la tendance à chercher à savoir où cela se déroule et comment éventuellement résoudre cela est très faible. Donc on me demande plutôt, « Eh bien, Madame Kamans, présentez-nous les cadavres, alors nous verrons. » Autrement dit, on ne fait pas de recherche, on n'observe pas, on ne regarde pas comment stopper ces cultes dans lesquels, dans ce cas concret, des meurtres constamment ont lieu. Et c'est le cas maintenant, en ce moment? Oui, c'est actuel. C'est vraiment actuel. Et dans quelles circonstances se font les meurtres? Un adolescent a parlé de 10 meurtres auxquels il a assisté. Les meurtres sont toujours décrits d'une façon similaire. Il y a différentes manières, mais dans les témoignages, ils se répètent toujours.
Cela a toujours à voir avec le sang. Cela a trait à une frénésie meurtrière, une ivresse du pouvoir, cela a trait au cannibalisme, avec boire du sang et manger la chair humaine. En règle générale, cela consiste en une intégration à vie, donc en tout cas des personnes qui viennent des mêmes arrière-plans, des cultes qui existent depuis des générations. Ils recrutent leurs membres dans leur propre rang, pour ainsi dire. Les enfants naissent là-dedans. Dès leur plus tendre enfance, ils sont habitués à ces rituels. Je dirais aussi, dans le quotidien, ils seront formés à devenir aptes pour ça. Ça a l'air brutal, mais c'est exactement comme ça. Avez-vous entendu parler de cas similaires en Allemagne? Des personnes seraient vraiment tuées par un culte satanique? Oui, c'est ce que les personnes rapportent presque toujours. J'ai vécu et travaillé dans différentes régions de l'Allemagne et j'avais des personnes en thérapie qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, mais elles ont rapporté les mêmes choses. Je sais par des collègues actifs sur tout le territoire fédéral qu'il y a des personnes concernées qui ne se connaissent pas entre elles et qui rapportent de pareilles choses. On peut percevoir une structure là-dedans. Et pour ce rite où on abuse des enfants, est-ce que les enfants sont vraiment proposés sur Internet? Il existe des signes bien définis. Peux-tu nous dire quelques-uns de ces signes? Tu as vécu tout cela. Qu'est-ce que ça signifie si quelqu'un cherche une chose précise et que par exemple il voit l'image d'un enfant sur Internet? Comment sait-il que cet enfant est proposé? Alors c'est une combinaison. Il faut voir les choses de cette manière. Premièrement, il existe deux catégories d'images sur Internet. La première catégorie, ce sont les enfants qui sont proposés. Ça veut dire que quelqu'un prend une photo de façon anodine, un enfant sur le terrain de sport. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, ce n'est pas un problème. Ensuite, on le propose. Et il se trouve une personne intéressée qui veut exactement cet enfant. On le kidnappe de façon ciblée. Donc il se peut que l'enfant ne soit pas encore entré dans ce milieu. Tout à fait. Et qu'il soit encore totalement libre. Oui, exactement. Mais sur commande, pour ainsi dire, et tout d'un coup il serait kidnappé. Et c'est à ce sujet que je veux prononcer un avertissement à tous les parents. Donc, quoi que vous fassiez, c'est absolu. Si vous avez par exemple un ordinateur avec webcam intégré, éteignez cette webcam. Donc il se peut que l'enfant ne soit pas encore entré dans ce milieu et qu'il soit encore totalement libre. Mais sur commande, pour ainsi dire, et tout d'un coup il serait kidnappé. C'est très dangereux. Oui, quand ils font partie d'une association sportive qui a son propre site, où il montre les enfants avec leurs résultats, une telle chose est très dangereuse. La répression menaçante, sous forme d'abstinence forcée et en même temps attisée consciemment le plaisir des sens, témoigne des nuages orageux qui s'amoncellent à l'horizon ténébreux de la satisfaction satanique. Le résultat, ce sont des privations des plus douloureuses, parce que nous n'avons pas stoppé les dérives sexuelles. Voulons-nous cela ? Une chose peut être confirmée avec certitude par les criminologues, les médecins, les psychiatres et les cures d'âme chrétiennes. Des personnes plus que saturées et surexcitées de façon malsaine peuvent seulement respirer si d'une façon ou d'une autre elles peuvent couper le souffle à une autre être vivant. Cela s'avère comme une vieille réalité que, suite à leur perversité, des gens devenus méchants vont finalement jeter leur manque, leur iniquité, leur affreuse dépendance et besoin sur d'autres. Ils sont devenus semblables aux puissantes sataniques. C'est seulement quand ils peuvent reporter leurs tourments sur des gens innocents qu'ils vivent, mais toujours pour un temps plus bref, une sorte de liberté. D'autres enfants ont vu comment ils ont arraché les intestins à des êtres vivants. Exactement comme on l'exprime dans beaucoup de films et de romans, cela se passe ainsi en vérité. Des hommes pervers peuvent se griser des souffrances et des privations de leurs semblables, de leur déracinement, leur douleur et leur maladie. Plus ils peuvent leur infliger des souffrances, plus cela leur procure le frisson souhaité. Conclusion. De ce fait, il est bien prévisible qu'on ne va pas s'arrêter aux ruptures de plus en plus douteuses des tabous actuels. Il ne reste plus que l'espoir que la justice intervienne à temps.
la sexualisation précoce, la pédophilie, la sodomie, c'est-à-dire les rapports sexuels avec les animaux, mais aussi le sadomasochisme qui est librement propagé, doivent recevoir, comme réponse conséquente, une poursuite judiciaire à temps. C'est pourquoi, et en raison des articles toujours en vigueur, le parquet et les tribunaux ont l'obligation, si possible immédiatement, de punir et de juger de façon conséquente les responsables qui tirent les ficelles et les délinquants qui exécutent. Mais s'ils n'y sont pas prêts, malgré les appels au secours des enfants impuissants, alors il s'agit de dévoiler les véritables causes de ce comportement, et cela pour la protection de tous et avant tout pour une véritable protection des enfants. Parce que des parents inquiets, ne voulant pas manquer à leur responsabilité d'éducation, exigent de la magistrature et des tribunaux qu'ils punissent les pratiques évoquées comme cela se doit, qu'ils empêchent le plus rapidement possible l'accès aux articles de sexe et de pornographie sur Internet, sur le téléphone portable, mais aussi dans les stations-service publics, les kiosques, etc. Réfléchissez au fait que ce reportage a seulement soulevé superficiellement les faits. Il s'agit d'agir avant que ce droit encore valable ne soit dissous. Saviez-vous que le délai de prescription commence seulement le jour où la victime a atteint ses 18 ans? La réhabilitation de l'ordre global et public est un droit prioritaire pour l'homme. Il s'agit de le mettre en place et de le défendre. C'est pour cela que nous sollicitons votre aide. Comment pouvez-vous aider? Faites passer ce document. Parlez-en et ainsi vous aiderez à ce que la véritable protection des enfants perce. Prenez part aux initiatives du peuple. Faites-le savoir partout. Nous vous remercions pour votre attention et pour votre participation, quelle qu'elle soit. Au revoir. Conclusion. Suite à la dissolution de la législation suisse, les enfants victimes d'abus doivent absolument porter plainte avant leurs 25 ans et au plus tard 15 ans après le début des délits. Après le délai de prescription, une poursuite judiciaire n'est plus possible. D'après le Code pénal suisse, article 97, paragraphe 2.